futurs mécaniciens automobiles, ces jeunes issus de collège ou de lycée ont choisi l'alternance pour apprendre un métier. En première année de CAP, maintenance automobile, ils sont ce matin en cours pratique au garage de basse information. On a des petits jeunes qui sont assez intéressés, donc ça se passe plutôt bien. Ouais. Aujourd'hui, on les fait travailler en binôme, effectivement. On a une partie qui se déroule d'abord en classe, donc une partie qui est technologie directement, et après on passe à la pratique. Vincent Coudert est le directeur du CFA de la TEST. Dans quelques jours, dans le cadre des portes ouvertes de basse information, il sera sur le pont avec son équipe pédagogique. Nous, ce qui est intéressant sur ces journées-là, c'est de pouvoir accueillir des gens qui ont un projet calé, déjà, avec une vision, un métier, un vrai projet d'intégration de formation, et puis ceux qui sont dans l'idée de, pourquoi pas, une formation en alternance, dans les filières qui sont les nôtres, voire dans d'autres filières, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on donne beaucoup d'informations sur ce que c'est que l'apprentissage, autant que de dire comment ça marche, les formations pour lesquelles on a nos cours ici, quoi. Au pôle multimétier de la COBAS, plus de 300 apprentis sont formés chaque année dans des filières aussi diverses que la poissonnerie, la mécanique auto et nautique ou encore la coiffure ou le commerce. Et lors de cette journée portes ouvertes, une vingtaine de personnes se tiendra prête à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les futurs apprentis, leurs parents ou les entreprises sur le point de signer un contrat d'alternance. On est des acteurs de la formation, sur la formation, filière, métier, dispositif de formation. Alors, la porte ouverte, c'est l'apprentissage, mais pas que. Hein. C'est aussi toutes les autres formations qu'on propose pour des demandeurs d'emploi, pour les salariés. On déclenche très vite des fiches de préinscription, de sorte à ce que derrière, il puisse y avoir un suivi et tout l'accompagnement et le conseil qu'on peut donner dans les projets qui sont en train de démarrer pour tous ceux qui viennent, donc globalement, ils veulent commencer une formation au mois de septembre. Rendez-vous donc ce samedi sur le site de basse information à la TEST, de 9h30 à 17h30, sans interruption. Thank you.